Salut les pilotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Nürburgring, toujours dans des GT Sport, et ce soir on va être au volant d'un des derniers ajouts, la Subaru Impreza 22B STI 298, 4 roues motrices, 294 chevaux, pour une tonne 3 quasiment quand même, peu lourd, comme d'habitude, hein, 4 roues motrices, ça alourdit la balance, hein. C'est un peu lourd pour une voiture qui date de 98, mais on a fait pire. D'ailleurs, la voiture que j'ai l'habitude de conduire pèse plus lourd en fait. Et a beaucoup, beaucoup moins de chevaux. Mais bon. À l'époque, c'était bien. Et je me rends compte qu'elle avait même pas d'airbag. Waouh. Ouais. Ouais, c'était folklorique hein, dans les années 90 quand même. Hein. Pas d'airbag. Ça, je m'y attendais pas par contre. Oh. Ah, je reconnais bien le bruit de la Subaru là. Le petit flat 4 là, il chante. Il a toujours eu un bruit très sympathique ce flat. Petit 4 cylindres 2 litres à plat. Avec un turbo. Bon. Ben on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, je pense pas qu'elle va pouvoir rattraper le temps des autres N300 quand même. Enfin, celle qui passait sous les 8:30 si je me souviens bien. On va voir si elle rattrape au moins le temps de l'ancienne Lancer. J'ai pas le temps en tête en plus. Mais bon, je pense que si je réussis à faire moins de 8:40, on est bon quand même. Cinquième est un peu molle, je pense que ça doit être le dernier rapport. Ouais, avec une cinquième aussi molle, ça m'étonnerait pas qu'on ait pas de sixième. J'ai pas pensé à vérifier. Après on est sur une voiture qui date de 1998. Quand même plus sport que la Mini Cooper que j'ai testé il n'y a pas si longtemps. Et qu'est-ce qui me prend de passer ici en troisième? Mais j'ai complètement fumé. Bon, c'est pas grave. J'ai pas perdu plus de temps que ça avec cette petite erreur.
Là, par contre, j'aurais peut-être pu passer en troisième, mais bon. Je sais pas, je fais des trucs bizarres ce soir quand même. Petite glisse, façon rallye, tu vois. Comme Colin McRae. Ça glissait beaucoup à l'époque. Bien glisse. Trajectoire un poil large, mais ça passe toujours. C'est quand même assez facile de la mettre en travers. Freinage un peu appuyé, un peu tard. Elle se met en travers. Par contre, avec ses quatre roues motrices, bon, c'est assez facile de la rattraper. Voilà. C'est ce que je disais. Il doit faire légèrement le pied ici. Bon, on va voir si elle a une sixième, mais ça m'étonnerait, je ne crois pas. Alors, si elle a une sixième, c'est le rapport le plus mou que j'ai vu de tous les temps. Mais elle aura pas de sixième. Franchement, là... Non, pas de sixième.
Cette fois-ci, c'est pas passé. Ça va me faire perdre pas mal de temps. C'est dommage. Elle aurait pu faire quand même mieux. Je serais probablement passé sous les 8,40 si j'avais pas fait ce crash. Et 8,44, ça passe quand même. C'est un temps acceptable pour une voiture de cet âge. Date de 98 quand même. Je suis à peu près sûr que c'est mieux que la Supra. Faudrait que je vérifie. Mais voilà. Par contre, là, je pense pas qu'elle va chercher la Lancer. Je pense pas du tout, là. 8,44. Mais bon, cette erreur était quand même assez monumentale. Franchement, là, j'ai déconné sur la fin de la course. J'ai déconné sur la fin du tour. Là, c'était pas bon du tout, là. Ah, non. Bon, ben sur ce, moi, je vais vous dire ciao !